Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live. Et d'ailleurs, je vois que le son est un petit peu fort, on va le baisser. Où on va jouer à River Tales. Strong up to gas. Avec Chobiti. Coucou Chobiti. Coucou le signe. Hop là. On est bon, on baisse un petit peu le son. Et donc comme vous avez pu voir, Chobiti est avec moi, donc normalement vous l'entendez à peu près bien, on s'est débrouillé. On va jouer du coup sur le même PC, puisqu'on peut jouer, alors on peut jouer en coop local, on peut jouer en remote play, mais on s'est dit c'est plus rigolo de jouer en écran partagé. Et c'est pas de l'écran splitté, c'est vraiment de l'écran partagé. Et ça va être une petite aventure en coop, où on va jouer chacun un chat et un poisson. Donc Chobiti sera Furple le chat. Et moi je serai Finn le poisson, et on doit eh ben, s'entraider pour progresser dans des niveaux. Et là en l'occurrence atteindre le roi des piranhas qui a volé son algue fétiche à Finn. Et heureusement les piranhas ont peur des chats. Donc on a fait le premier niveau pour tester un petit peu le jeu, voir un peu les gameplays, etc. Ah non, du coup je me suis... Si c'est ça, et là on est sur le nouveau. Donc celui qu'on n'a pas encore fait dans les veines. Et pourquoi c'est toi qui as mon chat ? Alors on sélectionne, donc c'est Chobiti qui a la manette qui sent le chat. Alors c'est un jeu où on peut jouer à deux, donc soit partagé, il y a même un mode où on peut se partager la manette, chacun a la moitié de la manette. D'ailleurs je l'ai pas fait, mais je vais afficher la petite fiche quand même, ça se fait. Donc d'ailleurs merci beaucoup à Gravity Grime Erase qui nous a permis de tester le jeu, qui nous a fourni une clé. Donc comme je le disais, c'est un jeu de coop aventure, mais on peut jouer tout seul. Il y a un gameplay où on peut changer de personnage à la volée pour jouer tout seul. Et on peut jouer aussi avec un seul clavier ou une seule manette à deux. Donc chacun se partage la moitié du clavier ou la moitié de la manette. Alors la moitié de la manette, je pense que ça va être assez folklore, mais vu que les touches sont assez simples, sur une manette il faut juste se déplacer, il y a un bouton pour attraper et puis c'est tout. Un bouton pour sauter. Et salut Zikino. Donc ça a l'air assez intéressant à jouer. Nous on est resté confort avec un clavier et une manette. Et ouais Zikino, on est à deux. Normalement tu devrais entendre Chocho quand elle parle. J'ai fait en sorte que le micro soit actif. Chocho. Alors elle est peut-être quand même un petit peu moins forte que moi. Faudra pas hésiter à nous dire. Et du coup le jeu est à 19,50€, mais jusqu'au 4 janvier il y a une petite promo de lancement. Donc il est à 17€ si vous l'achetez, si vous l'achetez là. Il y a un peu loin, mais il y a la perceuse derrière chez... Ah oui, bah après, oui, si tu fais des travaux en même temps que le live... Non, mais je suis pas une perceuse, hein, faut pas croire. Et salut Alastre, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Alors, je peux essayer de faire ça. Là, je sais pas si vous nous entendez mieux, je pense que non. Coucou. Alors, je vais mettre en pause le record, on va faire les tests de son. Hop là, normalement le son est correct. Chobiti peut dire bonjour de nouveau si elle veut. Bonjour. Oula non. Ah zut. Chouchou. Chouchou, on l'entend bien. Très bien, parfait. Alors, c'est parti. Ouais. Donc voilà, moi j'ai le poisson. Écho à fond. Bah, on utilise le même micro qu'on utilise. Ouais, mais il y a peut-être le coup du son. Bah, y a aucun retour, de. Ah oui. Bah, y a pas le son qui pourrait rentrer dans le micro. Alors, je t'explique, Chobiti, le son qui rentre dans le micro, c'est le concept du micro. Aïe aïe aïe. Bon, bah, du coup, on va. Revenir, bah pour toi c'est ok, là bah essaye de rafraîchir Zikino, c'est peut-être ton Twitch qui décolle. Parce que là normalement le casque est posé sur le bureau devant nous, donc on a le même niveau de son quoi. Allez c'est parti. Du coup, il faut progresser ensemble. Radis. Et attraper des petits radis qui nous permettront d'avoir des bonus. Alors, les nénuphars émergent à la surface de l'eau. Ils sont parfait pour qu'un chat se saute dessus, mais juste le temps de quelques secondes. Oh là là! Et on peut pas attraper les radis là-bas. Moi je l'ai fait sortir. Attends, est-ce que je. Non, si. C'est pas des radis. C'est pas des radis. Moi c'est pas des radis. Donc faut que je saute. Ah, ok. Ah, ah, j'ai tombé! Ah, donc si jamais le chat tombe à l'eau, le poisson peut essayer de la faire sortir. Et si jamais moi je tombe sur la terre ferme,
peux essayer de me repousser alors. Alors, il y a un mode de jeu où c'est instantané, on meurt si on tombe, mais. Ouais, Dardy. Alors, Nénuphar. Tac. Cours, 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 Nénuphar. Ah, je sais pas si je vais pouvoir te faire sauter assez haut. Non. Nénuphar. C'est le drame. Alors, c'est un jeu où il va y avoir beaucoup de retry, hein, surtout avec Shobity. Ouais. Nénuphar. Il est déjà là, chouchou. Wouhou, je pense que t'as pas forcément besoin de te précipiter parce qu'il redescend pas tant que t'as pas l'air de tirer dessus. Non, il y a pas de mode un chat où on mange le poisson. Ah. Non, le chat là est un petit innocent. Hein. Il est débile. Il est un peu débile, il aime tout le monde. Même dans le tout début de l'histoire, en fait, il poursuit un papillon pour jouer et puis il tombe sur un espèce d'énorme loup. Mais il joue avec son nez au lieu de. Mais ce serait plus réaliste. Mais après les méchants poissons, les piranhas, ils ont peur du chat. Ah ouais non mais. L'enchaînement de chemin, quoi. Ça va, tu reprends ton oxygène un peu? Non. Moi. Parce que le cercle autour, c'est quand il disparaît, j'ai l'impression que oui. Les restes des poissons sont très tranchants. Non. Ah ouais, carrément, il y a des totems. C'est quoi cette histoire? Aïe! 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 Ah non, je peux pas te faire sauter assez haut. Ah, mais du coup, je peux pas attraper le radis là. À toi peut-être! Va chercher le piouche en passant. Je vais payer les mots. Et des petits oiseaux arc-en-ciel cachés à trouver dans les niveaux. Bon, après, il n'y a pas vraiment de game over. Hein. On a vu là, il y a des espèces d'arbres qui fleurissent de temps en temps quand on passe à côté. Mm-hmm. Et c'est des points de contrôle en fait. Tout bêtement. Mm-hmm. J'imagine que si tu sautes par-dessus, tu dois mal finir. Parce qu'il faut que je saute par-dessus. Moi je vais là. Là, et puis après je te fais le. Wouhou, des radis. Le petit arbre là qui fleurit quand on passe, c'est un point de contrôle. Ah, j'ai pas eu mon pâté. Hop là.
ce soir à 21h. Ah, je suis tombée. Hop, t'es tombée. On aura le live anniversaire de la chaîne. Il y aura des cadeaux à gagner et des questions à poser et plein de trucs à rigoler, je pense. Alors, on est d'accord, Alas, hein, c'est un genre de jeu qui est assez particulier. Hein. T'en oublies un. Mais c'est vrai que là, jouer avec Chobiti, c'est assez sympathique, c'est rafraîchissant en fait. C'est sûr qu'on est loin du roguelike habituel, mais. J'ai pas vu le panneau, pas le live. Le panneau, il est là. Si vous pensiez les piranhas indestructibles, c'est que vous ne connaissez pas encore les champignons explosifs. Ah, vous voyez, il y a des piranhas là, lui, là, il essaie de me choper. Ils sont attirés par le poisson, mais ils ont peur du chat. Mia, mia, ouais, mia, mia. Ils sont cachés dans les troncs creux. Et si tu sautes sur le champignon, du coup, il explose. Ah oui, effectivement, ça fait exploser les piranhas. Non, piranha. Tu peux me... Voilà qui est fort pratique. Non, ils m'ont attrapé. Ah non, viens là. Cours, 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 cours. Le champignon. Mais je vois rien. Il y en a qui arrivent. Bah oui. Ah oui, mais du coup, si tu prends pas le truc. Je reste à regarder les pierres. Venez là. Ouais. Ah mais il laisse des radis quand il meurt. Trop fort. Et salut Kaiser, bienvenue sur le live et merci pour le bon anniversaire à l'Astre. Coucou Kaiser. J'espère que ça va bien Kaiser. Hein. Radish, radish. Il y a un truc caché. Radish, je suis tombé. Kaiser, c'est ce soir, on fera un live anniversaire à 21h avec plusieurs membres de l'équipe. Attendez. T'es où? J'étais juste devant toi. Il y aura des cadeaux à gagner. Le chat qui se barre en me laissant crever avec les piranhas, quoi. J'adore. Merci. Il faut aller à droite ou faut aller à gauche? Comment on sait? Je sais pas. Ah non, lâche. T'es de ce côté là. Je peux pas grimper. Je suis coincé. Je suis mouru. Je pense que normalement on est censé aller dans l'autre sens, on avait pris le chemin pour le chemin détourné, mais... Oui, mais il y a des radis. Eh oui, il y a des radis, parce que je peux aller quelque part. Ah, je peux aller quelque part par ici. Est-ce que tu peux venir par ici? Ah, je peux te mettre ça, et après remonter ça. Que tu marches là et que tu sautes sur ce truc, non? Non, tu veux faire du compliqué. Mais non, mais je peux pas marcher là. Bah si, bien sûr que si. Ah oui, marcher là, ah oui. Voilà. Ah, mais c'est tout de suite plus compliqué. Bah oui, tellement plus compliqué. Oui, oui, j'y vais au piège orange du Kino, j'y vais, j'y vais. J'ai juste un peu con. Comment je saute?
crois que je peux sauter direct. Bah tu peux descendre sur le tronc. Et je vais où? Bah je sais pas, sur ce tronc là il est plus bas quand même. Le passage secret c'est compliqué Zekino, il faut le savoir. Genre là? Tu sautes sur celui du bas, après tu sautes sur celui du dessus, tu sautes sur celui du dessus. Ah mais c'est compliqué! Ah oui c'est compliqué. Ouais, tu peux sauter sur les petits rochers. Oh, je suis sur un rocher. Comment je monte? Mais oui je peux pas remonter. Ouais, là pour le coup il va falloir que tu fasses pas de bêtises. Tu veux que je te fasse sauter où? Ah des fois c'est plus simple de mourir hein. Et puis on revient au point de contrôle là. Non, il m'a attrapé. Oh non, abusé. Attention. Bon, on a commencé un certain nombre de l'autre côté, ça c'est très bon. Alors, je crois que j'allais chercher le radis là-bas, mais... C'était pas là. Hop là. Grimper toi. Bah oui mais en attendant. Oh t'as trouvé la zone secrète. Ah mais je pouvais grimper aussi. Bah voilà, mourir comme ça, ça sera réglé. Attends, je grimpe là. Bah oui mais. Si on s'approche assez, on peut les faire fuir. Oh, oh là là, j'ai peur. Ça brille de piquants partout. Piranha porte des casques. Ah, il y a un truc qui s'approche de moi là, ouais c'est ça, il y a un piranha devant là. Il a pas peur de toi. Attends, je peux pas faire ça. Ah non, je peux pas sauter. Non, il a pas peur de toi, mais il faut le faire exploser. Faut que tu retires dessus, je vous dis. Non.
c'est trop dur. Un cerveau pour faire ces trucs-là. Ah, les pyrognagnas, les pyrognagnas. Où est-ce que je peux les emmener, les pyrognagnas? Ils vont tellement vite. Les pyrognagnas. En plus, il y a un gros truc au fond, là, si on arrive à les tuer. Pyrognagnas. Tu l'as eu, mais à tout le chouïa trop tard. On va y prendre l'avance. Oh, désolé. Wouhou, pyrognagna, pyrognagna. Allez, on se concentre. Je bois une gorgée. Bois une gorgée de thé. Gna 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 gna. Allez, allez. Ah merde. Je vais pas accélérer assez vite. Grand ? Non mais. Ah là là, je me coince dans le mur. Plus par là. Ah oui, mais ils explosent pas. Attends, essaie d'attirer les autres. On peut partir en éclaireur. Essaye de tourner ce mec là-bas. Ok. Bon, bah je vais les attirer, retourne vers du champignon. Vous me donnez fin avec vos histoires de piranha. Ah, il va tellement vite. Ah, vite, vite, vite. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus le temps. Parce que tu les manges, toi, les piranhas. Il faut le mériter, hein. Moi, je veux mon radis. Non, non, non. Trop tôt. Trop tôt. Faut être pas trop rapide en plus. Ah oui, il faut que je les attire un petit peu pour qu'ils viennent à plusieurs. Bien joué, on a eu deux. C'est pas mal. Et ben, on fait le point de sauvegarde là. Ça marche. Ah, il s'appelle pas Nemo, il s'appelle. Il s'appelle Finn. Ah. Moi, le mien, il s'appelle Slurpo. Voilà. C'est bon, du coup. 3. Ouais. Oh, j'ai pas vu combien ça nous avait donné de radis. Là, faut faire... Ah, au secours. Ah, mais je pense qu'il faut que j'aille dans l'autre sens. Ok, donc il y en a d'autres à passer là. Ah, ils sont complètement des trucs qui piquent. Je crois qu'il y en avait 3. Là, je le tire. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, du coup, est-ce qu'il y avait un radis doré? Je suis pas sûr. Ah, mais il y a une zone à papayon. Oh, je peux sortir! Le jeu est sur Switch. Bonne question. Je vais prendre un instant pour aller vérifier. Il me semble que oui. J'ai vu passer l'info. Là. Switch, PC, Steam. Ah non, Planet Platform, c'est prévu. Ils veulent faire une version Mac et une version Switch. Mais pour l'instant, pas encore. Mais c'est prévu sur Switch. Effectivement, sur Switch, ça doit être pas mal. Tu m'aides à ressortir?
Non. Non, je te laisse crever ici. Non, tu l'as pas vu. Tellement dans la roche devant les. Facile ce mec de la première zone, hein. On en a oublié, hein. On en a encore oublié un, il faudra qu'on refasse. Wadi. 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 Tirer l'autre. T'es un peu rapide là. Ah, il y a des piranhas. Oui, ils sont de l'autre côté. Ça.
Bah ouais. Il n'y a pas de champiche. Non, je suis sur la terre ferme. Tombe. Ah vache, ils sont en nombre les enfoirés. Je voudrais aller aux champiches. Fais un nénuphar et tu prends pas le nénuphar quoi. J'ai ton vu. Bah oui. J'ai ton vu. Tu veux pas de mon super chemin. Oh, faut recommencer depuis le début. Ah bah oui hein, c'est le jour. J'espère que ça va bien. Bon. On a eu le doré pour avancer. À la limite, on s'en fiche un peu du carnage. Hein. Il s'en fiche. Je ne juge pas qu'il t'envoie. Qui... Hé, tu signes ! Il y avait des radiches. Oui, mais si tu me mets pas d'autres. Moi, je meurs comme une patate. Mais c'est pas dramatique. T'as 9 vies. Thank you.
tête. Alors moi je suis le poisson et Chobiti c'est le chat. Je vais pas aller l'activer tant que... Là, je suis caché là. Vas-y, point de contrôle. Hop là, ils sont coincés. Ah, on arrive au castor. On a déjà fini la zone. Chachobiti, Chabiti. Le signe orange. Bon. Les castors, ils sont là pour qu'on se repose. On en a pas eu tous. Ouais, on les a pas tous eu. Tomber par terre. Tu coupes la VOD peut-être. Un petit épisode de VOD là. Il y a un radis derrière. Des radis derrière nous. Quoi? Quoi? Il y a un pioche derrière nous. Ouais, c'est peut-être ça ce qu'on râle. C'est genre le pioche derrière nous au début du niveau. Quoi. Du coup, oui, on peut arrêter la VOD là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le son est correct. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à Chobiti et moi si ça vous a plu. Et on se dit à tout de suite pour la suite. Ciao ciao la VOD. Tu crois qu'ils peuvent nous payer en radis ?